Le 30 décembre qui va venir là, il y a un gros contrat qui t'a dû expirer sur le continent européen. Contrat ça, il mettait tout acteur en face de la réalité. Et qui tu voulais, qui tu pas voulais, depuis gros éléments qui a boumé sur le continent européen en un moment là, qui c'est là aussi ensemble avec l'Ukraine, eh bien, sans pas t'attendre. Eh bien, messieurs, il y a un contrat, il y a négocié dans ce moment-là. Et date contrat, ça a expiré le 30 décembre. Qui tu voulais, qui tu pas voulais, faut que tout acteur d'accord, faut que vous fassiez une parenthèse, faut que vous chita négocier autour de lui-même. L'émission plus vérité, je vous dis, je vais aider puis bien comprendre. Je vais aider comprendre qui contrat lié réellement, qui enjeu qui cachait des dôles. Et à partir des contrats, ça, on va comprendre réellement les hommes, monsieur, sont capables d'entendre pour négocier de l'argent, des intérêts, mais ils ne sont pas capables d'entendre pour être capables de camper la guerre russo-ukrainienne. Ils ne sont pas capables d'entendre pour camper suspendre ces jeunes garçons, jeunes femmes dans Donbass. Restez ensemble avec nous, émission plus vérité, on va finir par bien comprendre qui est l'hypocrisie réellement qui est cachée derrière le conflit russo-ukrainien. Restez ensemble avec nous. Éducation, information et bonne information, c'est caractéristique émission plus vérité. Regardez-nous, mes amis, en pile l'amour. Émission plus vérité, c'est émission par nous. Celle, ça nous a dit, nous, c'est merci. Merci à tout le monde qui toujours garde l'émission. Hein. Tout le monde qui toujours a partagé, qui toujours invité, yon amis, yon famille, mes amis. C'est ça m'a dit, mon yo, en pile, nous pas dit, chaque monde de façon individuelle, dans l'ensemble émission plus vérité, dit nous merci. Émission plus vérité, c'est une plateforme éducative. Ça n'a fait là, nous fait éducation, nous baille bonne information, et puis nous baille formation aussi. Si c'est pour la première fois, jeune famille, nous avons été là, abonnez-vous ensemble avec nous, parce que c'est ça nous fait émission plus vérité, c'est contribution par nous, son responsable, son émission qui gagne responsabilité citoyenne pour nous capables d'aider chaque monde plus, comprendre ce qui a passé dans le monde. Pour nous finir par bien comprendre ce qui a passé en Haïti, parce que à la fin, tout est connecté. Songez bien, conflit qui a éclaté entre la Russie, ensemble avec le pays Ukraine, émission plus vérité est toujours à analyser. Notez toujours, dit, conflit ça, c'est un conflit ordinaire lié. Ce n'est pas la Russie avec l'Ukraine qui a boumé vraiment, mais c'est un combat géopolitique lié. Et géopolitique là, notez toujours, dit, qui acteur qui est souterrain. Il y a deux gros acteurs qui ont commencé pour partager le monde là. Ils sont plus irrités et ils comprennent ça déjà. Il y a les États-Unis ensemble avec la Chine. Mais chaque monsieur sérieux, il y a un joueur souterrain en Ukraine. Ça veut dire, les États-Unis gagnent, l'Ukraine, qui est le capitaine, red, il dit qu'il faut qu'il calait, il faut qu'il utilise le vol capable de gagner la Chine. Et la Chine lui-même, il y a là aussi le capitaine d'Edol, red. Malgré là aussi, ensemble avec la Chine, et puis sont plus irrités. Toujours t'es d'où comprendre que yo chaque yo gagne intérêt yo par même. La Russie gagne objectif li, la Chine gagne objectif li. La Chine gagne objectif, la Chine plus gros passé objectif la Russie. C'est ça qu'il faut voir, la Chine gagne une position ambiguë. Gagne parfois ou elle en l'autre bord, gagne parfois ou car elle gagne tendance pour lui en l'autre bord. Par exemple, il y a un secrétaire d'État américain, ça va faire trop longtemps qu'il était visité pays la Chine. Mais yo d'où avec la Russie, yo gagne gros problème. Parce que chaque pays a eu intérêt ou pas même. Mais ça, ce n'est pas objectif émission journée aujourd'hui. Ça me fait comprendre dans l'émission journée aujourd'hui. Il y a un gros contrat qui a expiré le 30 décembre qui a venu là, sur le continent européen. Qui contrat lié? Et contrat ça, il oblige messieurs, qui vous voulez, qui vous pas voulez, messieurs là aussi, ensemble avec l'Ukraine, avec les pays européens, ils sont obligés d'entendre. Ou songez tout package sanctions qui te prend contre pays là aussi. Après, là aussi, tu es fini d'envahir le pays Ukraine. Mais là aussi, il y a un bagage dans le même, messieurs, au continent européen, ils n'ont pas qu'à passer de lui-même à 100%. Malgré tout lobby qu'ils ont fait, malgré toute tentative qu'ils ont fait pour éliminer, pour empêcher gaz russe là, sortir dans le pays là aussi, pour entrer dans le continent européen, eh bien, messieurs, pas arrivé à faire ça. Songez, je te dis, il y a deux pays, il y a trois pays. Jusqu'à présent, gaz russe là toujours arrivé dans le pays Sahyo. Et pays Sahyo, yo te dit, comme condition pour yon rete allié, pour yon rete en dedans, Union européenne, pour yon toujours rete en dedans autant, eh bien, faut que yon te ba yo autorisation
pour être capable toujours à recevoir gaz russe là, parce que eux-mêmes ils ont dit ils ont pas dans Chili Chichi, ils ont pas un gros moyen tant que l'Allemagne, ils ont pas qu'à acheter gaz américain hein. Parce que gaz qui a sorti aux États-Unis hein, son gaz qui est extrêmement cher, ils ont même ils ont pas qu'à acheter, ils ont pas un gros moyen, faut qu'ils joignent une autorisation pour acheter gaz russe là. Pays tant que la Hongrie, pays tant que Tchécoslovaquie, pays tant que et même la France a des compagnies qui toujours après recevoir gaz russe là. Eh bien bon, réalité a c'est ça lié. Malgré tout par l'empile, nous avons le président Macron qu'on a fait, il peut envoyer soldats, c'est là où il fait percer, il peut envoyer soldats en Ukraine. La mission de sécurité là, nous avons dit président Macron, c'était menti, le tabay. Et la preuve en est grande, mais l'Ukraine a passé un moment extrêmement difficile dans Donbass, et bien jusqu'à présent, eh bien, la France, le président Macron, il a cherché avec baleine, le Powell, parce que il te connaît, c'est menti, le tabay. Et tout le monde qui a un bon sens connaît que c'est menti, le président Macron, le tabay. Eh bien, contre ça, c'est qui ça a contrarié? Songez bien là aussi, si on a un plus gros producteur mondial de gaz, gaz où il y a fait manger, gaz propane, eh bien, là aussi, c'est lui-même qui te connaît vendre, qui te gagne contrôle continent gaz sous continent européen. Là aussi, tu as gagné deux gros tuyaux pour nous capables de comprendre ça. Li te gen yon tuyau ki te sorti en la aussi ki te passé par Istanbul ki te entré en Allemagne et puis li te gen yon l'autre tuyau ki te passé en Ukraine pour yo alimenter continent européen. Gros tuyau ki te passé par Istanbul ki te allé dans pays Allemagne là, et bien tuyau ça les États-Unis te explosé. Et c'est pas nous même dans l'émission plus vérité qui dit, si on a plus gros chercheur aux États-Unis, investigateurs, journalistes, qui te fait une recherche qui te dit que c'est les États-Unis qui te voyé exploser le camp depuis un an et temps, la guerre a fini d'éclater, ça fait environ un an de cela. Mais il y a un autre qui toujours passé dans le pays Ukraine qui a alimenté gaz sur le continent européen. Ça a été fait à travers un contrat. C'est un business lié. Les États-Unis, c'est un business lié. Là aussi, les produits gaz là, les entendre ensemble avec l'Ukraine à l'époque, les Ukrainiens ont balayé un pourcentage, les pour l'Ukraine permettre gaz là passer dans le pays Ukraine et puis pour la vendre gaz là sur le continent européen. C'est ça qui était en dedans contrat. Mais contrat ça, l'a expiré le 30 décembre qui vient là. Président Zelensky, dans un discours qu'il fait semaine là, il dit lui-même, il n'est pas dans la question de faire business avec la Russie. Il est clair sur ça. Il dit lui-même, il n'est pas dans la question de faire business ensemble avec la Russie parce que lui pas pral chita avec la Russie pour renégocier contrat ça. Pour lui-même, depuis date l'arrivée, eh bien, il a fait menti yo, il a éliminé tout tuyau qui passait sous sol ukrainien qui allait porter gaz sur l'autre pays yo. Mais l'elfin dit ça, mais il dit allié européen yo, lui pas capable abandonner yo non plus. Lui pas capable abandonner yo parce que si allié européen yo mandé le pour capable joindre mi à culpa, eh bien si mandé le pour capable joindre entente pour gaz là toujours il veut joindre l'a obligé faire parce qu'il pas capable de bay allié américain. Nous dit ah dans émission plus sécurité, nous dit ah c'est là nous prend là. C'est là nous prend parce que vraie intention hein, parce que président Zelensky connaît réellement apport support économique gaz ça li porter pour pays Ukraine. Support, impact, ça va le gagner sur le continent européen, il connaît pertinemment, il n'est pas capable de casser le contrat à vrai. Pour quelle raison? S'il casse le contrat, on série des pays qui alliés en dedans autant, qui a recevoir gaz russe là jusqu'à présent, mais c'est ça, il va le virer d'eau par l'Union européenne, il va le virer d'eau par autant, et autant, pour le capable d'agir, il faut le gagner une majorité absolue, il faut tout acteur d'accord, on va garantir automatiquement. Tout support président Zelensky a recevoir des pays européens yo li pa recevoir yo encore. C'est ça vinn fait quitte président Zelensky vle quitte li pa vle depuis conflit a dépassé dépassé mois de décembre, eh bien li obligé chita ensemble avec la Russie pour yo capable entendre yo qui gens yo va séparer l'argent gaz là. Oui, nous dit l'argent gaz là, la Russie produit gaz là, Ukraine bal passé pour y al vendre en Europe malgré zam a chanté. Malgré jeunes garçons, jeunes femmes, chaque jour, plus de monde a mouru. Monsieur, vous n'avez pas entendu pour être capable de camper la guerre là. Vous n'avez pas entendu pour empêcher plus de jeunes garçons, plus de jeunes femmes à mourir. Innocents à mourir pour grand missile. Toute la journée, c'est gros bombes capturées. D'ailleurs, dernière semaine, nous voyons qui évolution qui gagne. Mais oui, laissez contre la gaz là, qui peut affecter le pays sur le continent européen, yo, eh bien, monsieur, vous avez déjà entendu, vous connaissez, il faut négocier parce que contre ça,
Si le contrat arrive le 30 décembre, il n'est pas renégocié, l'Ukraine n'est pas passé, eh bien, sortant de là, il va gagner un gros revers pour même pays Ukraine parce que le pays, tant que la Hongrie, tant que l'autre pays européen qui a reçu le gaz russe jusqu'à présent, malgré tout par l'empile ou tant de yo, eh bien, pays ça yo, il va virer d'eau by l'Union européenne, il va virer d'eau by autant. Et automatiquement, l'Ukraine perdit support majorité ça gagne en dedans bloc économique ça yo. Et bien support économique, support l'État pour recevoir des pays ça yo, l'État pour recevoir yo encore. C'est ça que fait nous dit. Mais si yo capable entendre yo capable entendre yo pour yo négocier des gaz là. Yo capable entendre yo pour yo négocier de l'argent parce que c'est pas pour grand ici Ukraine a bal passé. Ça veut dire là aussi à payer Ukraine pour Ukraine qui te gaz passé la caille pour la vendre en Europe. Avec l'argent ça, là aussi à payer Ukraine, et eh bien c'est même l'argent ça, Ukraine prend pour acheter des armes pour altouiller jeunes Russes qui a n'engoumé en face pays Ukraine. Qui c'est même bagaille. Ça veut dire, c'est extrêmement important pour nous capables de comprendre triangle ça. C'est là aussi Ukraine, pays européen. Là aussi prête pour payer Ukraine jusqu'à présent l'argent. Ukraine qui a boumé en face là, Ukraine qui a massacré des milliers et des milliers de jeunes russes chaque jour. Eh bien, c'est même Ukraine ça, là aussi prête pour continuer de négocier ensemble avec elle pour Ukraine qui a quitté les armes, pour Ukraine qui a quitté gaz là, passé pour la vendre sur le continent européen. Pays européen qui campait en bloc, qui dit qu'il prend toute qualité sanction contre pays là aussi, eh bien, ces pays ça, ils prêtent pour continuer à payer là aussi l'argent, mois après mois, pour acheter gaz dans même. Pour le gagner plus moyen en même pour tirer plus jeunes ukrainiens. Si yo capable entendre yo pour yo capable faire l'argent mais yo pas capable entendre yo pour yo capable faire la paix. Yo capable entendre yo pour yo faire l'argent mais yo pas capable entendre yo pour yo faire la paix. Yon la paix chaque jour qui paraît plus loin. Yon la paix chaque jour qui est plus pression qui a mettre pour yo capable joindre mais ou senti chaque jour c'est éloigné. Nous avons éloigné PESA parce que dernier événement, la Russie a avancé à grande vitesse dans la ville Potosk. Cependant, ou gagne Ukraine qui gagne une grande partie, qui gagne une partie dans le territoire russe jusqu'à présent sous contrôle. Et ça, je garantis, son bagage, c'est jour qui a compté, c'est stratégie qui a développé pour voir qui meilleure façon de permettre M. Saoudi qui pape un bagage facile parce que chaque jour qui passe, monsieur, c'est plus facile à prendre. Chaque jour qui passe, monsieur, sur le territoire russe là, c'est ligne de défense qui a augmenté. Ça veut dire que l'Ukraine a augmenté ligne de défense sur le territoire russe là. Conflit à poco lourd, loin, pour le tava fini parce que il y a un pile cartouche qui vient pour tirer encore. Et nous avons souhaité nan forcer comme ça, pas gagner un déclenchement, pas gagner quelques mauvais boutons qui pèsent parce que nous connaissons. La Russie jusqu'à présent, elle représente une plus grande puissance nucléaire. La Russie gagne bagaille dans même s'il t'a besoin fini ensemble avec guerre là, dans moins que une dedans pour t'a fini ensemble avec guerre là. Cependant, on connaît qui impact biologique ça va gagner, on connaît quantité monde qui t'a doué mourir pour ça t'a va fait et jusqu'à présent, la Russie qui gagne des grands alliés qui elle pas t'a doué montrer au qu'il est un acteur inconscient malgré t'a fini ensemble avec conflit là, mais impact économique ça va gagner pour lui. Dans relation ensemble avec l'autre acteur tant pour la Chine tant pour la Chine surtout qui a supporté eh bien pas qu'à comporter n'importe qui gens qui faudrait là aussi là la obliger dans ces débats là obliger créer conditions de faire géopolitique parce que bien la Chine qui là qui a observé que c'est vrai acteur qui a observé qui pas ta vle que là aussi gagne un comportement irresponsable et là aussi a goumé pour le montrer que lui c'est responsable lui pas vle lancer n'importe qui façon li pa vle déclencher une guerre nucléaire n'importe qui façon mais faut que nous dire patience tout le monde gen bout genre conflit a aller là si monsieur ta va continuer à avancer sur territoire russe là m'a dit que pas gen aucune possibilité qui écarté parce que vraiment là aussi gen justification suffisante jusqu'à présent pour être capable mettre li en alerte pour être capable utiliser les armes nucléaires parce que d'après principe qui est établi dans même pour Plakayo depuis l'invasion des territoires russes là ça t'a dû dire automatiquement t'a dû si président Poutine t'a appelé prend ça comme justification pour utiliser les armes nucléaires il était capable toujours faire ça mille merci pas sauter ensemble avec nous mais pas oublier émission plus vérité son famille cap grandir donc il y a des gros travail qui en perspective cuisine en charge qu'on les bat ou même qui beaucoup abonné fait ça qu'on y a même parce que vraiment il y a des gros travail des grands travail qui va venir et nous pas t'a souhaiter ou perdre en un euro. Mille merci pour sauter ensemble avec nous.
À la prochaine pour nous venir présenter une autre émission Plusieurs idées. À la prochaine.